Moi c'est Pascal et aujourd'hui, ça fait 10 jours que je vis dans ma voiture et c'est exactement de ça qu'on reparle. Allez, c'est parti! Dormir dans sa voiture, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, pour vrai. Aujourd'hui, ça fait 10 jours que je suis parti de chez moi et je peux dire que mon aventure m'a coûté environ 150$. C'est du diesel que j'ai mis dans ma voiture. C'est tout. Et j'ai vu vraiment, mais vraiment beaucoup de choses. J'ai passé 2 jours à Mont-Tremblant, j'ai été à Val d'Or, j'ai été à la CEPAC d'Aigabel. En 2 jours encore. Et ensuite, j'ai monté la route de la baie James, une super longue route sur laquelle j'ai vu des paysages magnifiques. Je me suis rendu jusqu'à Radisson, j'ai vu la baie d'Otsun. Et tout ça, à date, ça m'a coûté que 150$. Et probablement d'ici que je retourne chez moi, le voyage va m'avoir coûté au total peut-être 225$. Et c'est tout. Je connais pas grand voyage qui peut te coûter 225$ et qui peut te permettre d'en voir autant. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore dormir dans ma voiture, mais il n'y a pas que ça. Et tu vois ici, par exemple, c'est ma chambre d'hôtel. J'ai dormi avec hier quand je suis arrivé ici. Il faisait super beau, aucun nuage et on pouvait voir toutes les étoiles dans le ciel. Et quand je regardais par les fenêtres de ma voiture, alors que couché, ce que je voyais, c'était plein d'étoiles. Mais bon, concrètement, comment ça se passe dormir dans sa voiture? Et sinon, j'ai pas fait le ménage, c'est un vrai bordel. Mais c'est un bordel organisé. Donc, comme tu peux le voir, ma valise est pleine de matériel. Mon matériel, il y a du linge, il y a des trucs que tu vas avoir besoin aussi. Mais il y a beaucoup de matériel pour faire de la vidéo. Je dirais que c'est à peu près le 2/3 de ce que j'ai peut-être, ou peut-être la moitié, ou peut-être le 3/4 aussi. Bref, quand vient le temps de dormir le soir, ce que je vais faire, c'est que je prends tout ce qu'il y a là-dedans et je vais le transférer vers les sièges à l'avant. Donc, le jour, je vis à l'avant du véhicule, donc j'ai mon siège pour conduire. Et j'ai mon siège passager que je mets les trucs que je veux utiliser au courant de la journée. Et le soir, avant de me coucher, je transfère tout à l'avant. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Bon, j'ai dit que je transférais tout à l'avant. En fait, c'est presque tout. Donc, pour dormir, évidemment, ça va te prendre un bon matelas. Tu vas être confortable pour dormir. Déjà que, c'est pas le confort d'un lit, c'est certain. Mais quand même, pour vrai, la première journée, tu te dis ouf. Les autres, après, moi personnellement, je me suis fait là. En ce moment, je m'ennuie même pas de mon lit. C'est vraiment très confortable et surtout comme ça en hiver. Oui, il y a des meilleures périodes pour dormir. Et surprenamment, moi je dirais que les périodes froides sont les meilleures. Parce que l'été, dormir dans une voiture, quand il fait chaud, c'est de la merde. C'est de la merde. Il n'y a rien à faire. À moins de laisser rouler sa voiture toute la nuit avec l'air climatisé, il n'y a rien à faire, tu vas avoir chaud. Alors, les périodes où est-ce qu'il fait froid, j'ai des nuits qui sont descendues à 0. Peut-être même un peu moins. Et pour vrai, j'ai vraiment, vraiment bien dormi. Alors, comment ça se passe? La première couche sur laquelle je dors directement, c'est un matelas Thermarest. En passant, tout ce que je vais te mentionner, tous les articles que je vais te mentionner dans la vidéo, je vais te laisser des liens dans la description. Alors, si tu veux les commander, tu peux passer par là. Et je me fais une commission lorsque tu passes par moyen. Alors, si tu l'utilises, je t'en remercie. Alors, un matelas Thermarest, dans le fond, c'est un matelas qui est fait pour se rouler et qui devient assez petit. Et quand tu veux l'utiliser, tout ce que tu fais, c'est que tu ouvres les valves ici, l'air entre et à la fin, il te reste quelques souffles à donner et voilà, ton matelas est plein, tu es prête à dormir dessus. Tu peux ajuster la moelleur de ton matelas si tu veux, en mettant plus ou moins d'air dedans. Et ce que j'ai fait pour être encore plus confortable, c'est qu'en dessous, j'ai mis, c'est un type de matelas qu'on retrouve chez Ikea. C'est un surmatelas. Ça fait juste en sorte que c'est encore plus confortable. Ensuite, pour ce qui est de dormir, on va te prendre un sac de couchage. Le sac de couchage, ça va dépendre de la saison que tu voyages. Si tu voyages en été, ça se peut que tu veuilles absolument rien pour dormir tellement il va faire chaud. Ça dépend des régions que tu visites aussi. Moi, personnellement, j'aime ça voyager quand il fait plus frais. Alors, je me suis pris un sac qui est bon jusqu'à... Ah, il n'est pas écrit ici? Non, il est écrit dedans. Il est bon jusqu'à moins 26. Alors, mes nuits qui a fait 0, moins 1, moins 2, j'étais super, mais super bien. Je le range tous les soirs. Tu vois ici. Moins 26 Celsius. C'est le laminat moins 15. C'est drôle, moins 15, pourquoi? Mais bon, non, donc c'est super confortable comme sac. Et dans le fond, si il fait pas trop froid, je vais m'en servir comme couverte. Et la température elle descend dans la nuit. Alors si à un moment donné je me réveille et que j'ai froid, là je vais m'en servir comme sac de couchage. Je vais le refermer et bien dormir dedans. Tu peux vraiment te renfermer là-dedans comme une momie. Et c'est incroyable comment... Ah, t'as pas chaud, t'as pas froid. T'es juste parfaitement bien. C'est vraiment génial. Alors, on met ça là-dedans. Et ce que je fais le soir pour me coucher, c'est que je viens justement m'asseoir ici sur le bord de la valise. Je vais enlever mes souliers, comme ça. Je ne veux pas que mes bas touchent à terre parce que je suis dans la garnotte. Secouer un peu pour ne pas faire entrer le sable en dedans. Je vais les déposer sur le côté. Ici, et enfin, j'entre dans la valise. Et pour la refermer, d'habitude je fais ça quand je suis rendu un peu plus couché, mais je viens tirer ici. Donc, une fois que tu t'es repoussé jusque dans l'habitacle, un oreiller, très important, si tu veux bien dormir. Apporte-toi ton bon oreiller que tu utilises dans ton lit. C'est merveilleux. Ensuite, je me déshabille complètement. Dans un sac de couchage, tu dors nu. Alors, tu te déshabilles complètement. Mais cette partie-là, pour la vidéo, on va la sauter. Ensuite de ça, moi, si tu vois, je me suis amené un autre oreiller que j'adore serrer. Un oreiller qui est fait sur le long. Et oui, il y a des chats. C'est ultra quétaine. Mais je suis tellement content de l'avoir quand je quitte ma voiture et que je laisse tout mon matériel dedans. Je la mets sur le bord de la fenêtre et comme c'est ultra quétaine, je suis certain que c'est quelque peu dissuasif. Je m'arrange toujours pour que le potentiel voleur voit les chats avant le sac d'équipement de camion. Voilà. Alors, je suis certain que quand tu vois un oreiller avec... des chats dessus, tu te dis ouf, je vais aller voler autre chose. Donc voilà, c'est ça. Je me couche ici. Je vais utiliser au début le sac de couchage comme couverte et éventuellement dans la nuit comme vrai sac de couchage où est-ce que je peux vraiment m'emmitoufler complètement et je vais être vraiment, vraiment bien. Et petit défaut que j'ai avec ma Jetta, quand je couche les bancs, il y a un certain angle dans la valise, donc la valise est à plat et les sièges sont un peu comme ça. Ce qui fait que dans la nuit, je retombe dans la valise et je me retrouve souvent qu'à être en petite boule. Et bon, c'est pas parfait. La solution que j'ai trouvée pour ça, c'est que quand je peux, je me stationne à un endroit où est-ce que je peux être en pente. Donc, quand la voiture penche vers l'avant, ben là, le fameux angle finit par faire que ça fait un petit V et c'est beaucoup plus confortable. Mais il n'y a rien de parfait dans la vie et je suis prêt à vivre avec ce léger désagrément. Ça fait 10 jours que je vis avec et on s'habitue. On s'habitue et sache que tout l'inconfort que tu vas vivre pendant ton voyage va faire en sorte que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas apprécier beaucoup plus tout ce que tu as. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite de ça, tu vas sûrement vouloir te laver. Bon, là-dessus, c'est certain que quand je voyage en auto, je ne me lave pas à tous les jours. De toute façon, je voyage seul, alors si je pue, c'est juste moi que ça peut déranger. Mais comme là, tu vois, ça doit faire à peu près... On va être rendu à peu près au jour 3 que je me suis pas lavé et je vais aller me laver tantôt en descendant. Il y a plusieurs endroits que tu peux te laver et entre ces nuits-là, si tu veux, tu peux toujours prendre une débarbouillette, la mouiller un peu et te rincer. Ça fait bien le travail. Si tu voyages l'été, ça c'est un truc qui est merveilleux. Par contre, tu peux arrêter dans des lacs et ça fait du bien. L'hiver, si tu es très maso, tu peux continuer à aller dans les lacs. Personnellement, j'ai pas été. Mais sinon, pour te laver, il y a 3 trucs que tu peux chercher. Si tu es aux États-Unis, les truck stops, c'est génial. La plupart des truck stops ont des salles de bain. Il y en a que ça peut être assez miteux, mais j'en ai vu des vraiment sacoches et ça coûte généralement vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Mais recherche des truck stops, si tu es aux États-Unis, tu vas pouvoir te laver assez facilement. Ici, au Canada, oui, tu as certains truck stops qui peuvent en avoir aussi, mais c'est plus rare. Donc, les deux choses que tu peux chercher pour avoir des douches, c'est des campings. Et ça, il y en a vraiment partout, des campings. Tu peux arriver dans le camping et demander si tu veux prendre une douche, tu vas avoir un petit frais et tu vas pouvoir aller te laver. Et c'est vraiment génial. La deuxième chose que tu peux chercher, c'est les piscines municipales. Hein? Tu ne vas pas là pour aller te baigner. Bah, quoique, si tu veux en profiter, tu peux aller te baigner. Mais si tu vas dans une piscine municipale, il y a toujours des douches avant la piscine pour que tu puisses te laver ou te rincer après. Ben, tu peux aller te laver dans une piscine municipale. Ça va te coûter, encore une fois, pas cher. Ça coûte pas cher aller se baigner dans une piscine municipale. Alors oui, tu peux aller te laver là. Là, moi, j'ai un truck stop juste à côté. Il était encore à peu près à, disons, 30 km d'ici. Je vais faire un arrêt là. Et c'est un endroit complètement génial. Et là, même que la douche est gratuite. Alors, tu débarques là, tu vas te laver, tu retournes dans ta voiture et c'est terminé. Oui, il faut que tu traînes ton savon, il faut que tu traînes ton shampoing si tu as des cheveux. Il faut que tu traînes ta serviette. Ma serviette, je la laisse sécher sur le siège passager. Ça sèche éventuellement au courant de la journée. Tu peux aussi t'amener de la corde. Je me suis amené de la corde. Si tu veux, te tirer une corde entre deux arbres et laisser sécher tes trucs. Il faut vouloir laver ton linge aussi, rendu à un certain point. Alors, j'ai une poche de linge propre et une poche de linge sale. Et une fois que je commence à manquer de linge propre, ben là, tu peux arrêter encore là. T'as des les campings ont pas mal toutes des laveuses, sécheuses. Sinon, tu peux laver ton linge dans le lac, peut-être, ou la rivière. Mais oui, tu peux. Dans les campings, tu vas toujours te trouver une laveuse, sécheuse. Alors, tu te prévois un arrêt dans ta journée là pour faire ton lavage. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'eau, je la traîne dans ce sac-là et c'est toutes des grosses bouteilles d'eau. Donc, j'ai 5 bouteilles Nalgene. C'est des bouteilles que je trouve absolument merveilleuses. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est les bouteilles que j'utilise pour absolument tout, sauf le vélo, parce que ça ne rentre pas dans le porte-bouteille. Mais c'est les bouteilles que j'utilise vraiment partout parce que ça contient 1,5 litre d'eau. Donc là, j'ai 5 bouteilles, alors ça me fait 7,5 litres d'eau. Et La bouteille ne donne pas de goût à l'eau. Le goulot est juste énorme. Alors, si jamais tes bouteilles gèlent, si tu as un petit goulot, tu vas avoir de la misère à boire beaucoup plus rapidement. En plus de ça, si tu veux cuisiner, ça on va y revenir plus tard, mais tu as la quantité de millilitres qui reste dans ta bouteille. Donc si par exemple en ce moment il me reste 1200 millilitres et que j'ai besoin de 400 millilitres d'eau pour ma recette, ben c'est facile, je sais que j'ai juste à descendre jusqu'à 800. Donc des bouteilles comme ça, j'en ai 5, 7 litres et demi, je suis capable de survivre un bout. Si tu veux les remplir, encore là, une fois, tu peux aller dans les campings, tu peux arrêter dans des villes. Souvent, tu vas avoir des abreuvoirs à certains endroits. Et si jamais tu ne sais pas, eh bien, va cogner quelque part. Je suis certain qu'il y a quelqu'un d'assez gentil qui va te les remplir. Tu peux aussi arrêter dans les épiceries si tu veux t'acheter des bouteilles d'eau. Personnellement, payer pour de l'eau, je trouve toujours une solution gratuite. Pour l'eau que je viens de boire, je me suis rendu dans un hôtel, une auberge en fait. Et je leur ai demandé gentiment si je pouvais remplir mes bouteilles d'eau dans leur salle de bain ou leur conciergerie, peu importe. Et là, tu vois, le robinet dans la salle de bain était trop petit pour que je puisse mettre mes grosses bouteilles en dessous. Ouais, ok, c'est leur seul défaut. Je demandais gentiment et ils ont été me les remplir avec un grand sourire. Ça leur a fait vraiment plaisir. Alors, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est ma première source d'eau. Si tu t'en vas dans des régions éloignées, assure-toi de jamais manquer d'eau. Ça, c'est un sac de MSR. C'est le dromadaire qui appelle. Encore une fois, j'ai mis des liens dans la description si tu veux en commander. C'est une poche de 6 litres d'eau. Ils en font de plusieurs formats. Je pense qu'ils en font de 1 à 10 litres. C'est ça, c'est une poche supplémentaire. Elle, par contre, j'essaie de m'en servir le moins souvent possible pour en boire parce qu'elle donne du goût. Mais si jamais j'étais mal pris et que j'étais rendu très loin et que j'avais vidé mes bouteilles Nalgene, je serais très content d'avoir cette eau-là. Par contre, je peux m'en servir pour d'autres choses. Comme tu vois, tantôt quand je suis venu pour me filmer, j'ai fait une route de gravel avec ma voiture et elle était très sale. Alors là, quand je rentrais dans ma valise, je me salissais parce qu'il y avait plein de sable à l'arrière. Alors, je l'ai nettoyée simplement en ouvrant ça comme ça. Et voilà, j'ai un beau jet d'eau pour nettoyer. Tu peux aussi t'en servir quand tu veux te brosser les dents à la fin, si tu veux nettoyer ta brosse à dents. Et voilà, tu sors ta brosse à dents, tu as un beau jet, tu peux même peser dessus, tu fais une certaine pression. Et voilà, tu peux laver ta brosse à dents comme si c'était un robinet. Et là, moi, comme je m'en allais dans des régions vraiment très éloignées, je me suis même prévu un autre sac comme ça. J'étais vraiment sûr de ne pas manquer d'eau. Et tu vois, je m'en suis servi que pour nettoyer des trucs. J'ai pas eu à la boire dans cette aventure. Pour manger maintenant, tu as plusieurs solutions. C'est certain, tu peux arrêter dans des restos, tu peux arrêter dans des fast-foods, mais tu peux aussi amener ta propre épicerie. Dans cette aventure-là, j'ai mangé une fois au restaurant, j'en avais vraiment le goût et j'ai arrêté une fois dans une cantine, une cafétéria en fait, celle du truck stop où est-ce que je vais aller me laver tantôt, et j'ai arrêté dans un Subway. Un Subway, ça coûte pas cher, tu te prends un sous-marin bourré de légumes, de trucs frais et t'as bien mangé. Mais si tu voyages à quelque part que tu connais pas et que tu veux découvrir la cuisine, fais-le! C'est juste que si tu voyages par chez vous, bah, tu peux te traîner une épicerie et tu vas sauver. Mais tu vois, dans ce cas-ci, moi je me déplaçais dans des régions très isolées. Donc par ici, des restaurants, des épiceries et tout, il n'y en a pas. Même que l'épicerie la plus proche de où est-ce que je suis est 200 km au nord et fermée les lundis. Sinon, il y a le truck stop qui est pas trop loin, qui vend des trucs super cher parce qu'on est dans une région isolée. Alors, je me suis fait une épicerie avant de partir. Qu'est-ce que j'amène? J'amène des noix, des fruits séchés, de la viande déshydratée, des brownies, des rubes, des craquelins, des ramen, des tortillas et mes repas, hein, parce que ça, on s'entend, c'est pratiquement que de la cochonnerie. Mes repas, j'ai aimé pour quand même bien manger. C'est pas donné, mais il y a Happy Yak qui fait des super bons repas. Tu vois ici, il y a un pad thai que j'ai pas encore goûté, j'ai un couscous aux fruits d'été, j'ai un riz teriyaki. Le riz que j'ai mangé l'autre jour était excellent. Tu as des compagnies comme ça qui font des repas en sachet comme ça, et tout ce qui te reste à faire, c'est d'ajouter de l'eau chaude. Pour l'eau chaude, j'ai découvert ce truc-là, je l'utilise que depuis le début de cette aventure. Jetboil, c'est absolument génial. Tout ce que tu as à faire, tu as une tasse en dessous que j'utilise pas du tout. Mais en gros, tu as un brûleur que tu installes en dessous. Tu vois ici, c'est pour le feu. Donc tu installes ça en dessous et tout ce que tu as à faire, c'est de venir prendre une bouteille de propane, tu visses ça en dessous, tu mets ton eau dedans, tu le pars et pour vrai, dépendamment de la quantité d'eau que tu as, mais disons que tu mets quand même beaucoup d'eau, il parle de 90 secondes ou 100 secondes et ça bout, mais pour vrai, il y a des fois, j'ai l'impression que ça prenait moins d'une minute. Je mettais mon eau dedans et juste le temps que j'ouvre mon sachet pour éventuellement y verser l'eau, ça bouillait. Et, quand même un indicateur ici là, qui va monter, ça va devenir rouge ou orange là, pour te dire que c'est beau, ça bout, tu peux arrêter. C'est vraiment un truc génial. Jetboil. Encore une fois, les liens sont dans la description si tu peux te le commander. Donc c'est ça, tu t'amènes ce que tu as le goût de manger et qui peut survivre dans ta voiture un certain temps. Et va te gâter au restaurant aussi une fois de temps en temps, si tu veux. Mais bon, ça, c'est ça qui est ça pour ma nourriture. Le paysage derrière moi est absolument magnifique et le soleil vient de sortir. C'est ce que j'attendais pour aller faire un petit tour de drone pour mes vidéos. Alors, on va le faire décoller. Pas en parler dans la vidéo, mais si jamais ce drone-là, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le DJI Mavic Mini 2. C'est super facile à conduire. Ça, c'est une manette que j'ai achetée supplémentaire, par contre, parce que je ne veux pas avoir à connecter mon téléphone dessus. Mais à peu près n'importe qui peut conduire ça. C'est ultra facile. Et ce qui est génial de lui, si tu veux prendre des belles images de ton aventure, pour te ramener des beaux souvenirs, ou si tu fais des vidéos comme moi sur YouTube, pour moi, c'est un outil, mais si tu veux l'utiliser comme caméra et garder des beaux souvenirs de ton voyage. C'est super facile à conduire. Et là, je suis en train de capturer quelque chose de beau, alors je vais attendre avant de le faire revenir. Ben bref, je dis pas que tu peux pas le perdre. Tu l'envoies dans les airs, donc à chaque fois que tu l'envoies, ça se peut que tu le revois pas. Mais si jamais tu n'es pas bon conducteur et que tu ne sais pas vraiment comment le faire revenir, il y a un bouton ici que tu appuies dessus et ça le fait revenir. C'est tout. C'est juste que ça fait ce bruit-là super fatigant tout le long, mais voilà. Moi, je vais le faire revenir manuellement. Justement pour m'éviter ce son-là. Je me retrouve à la caméra, je repère mon environnement et tu vois, il est juste au-dessus de ma tête et on descend. Et voilà, ça fait des super belles images. DJI Mavic Mini 2. Et ce qui est génial, c'est que, du moins au Canada, à moins de 250 grammes, tu n'as pas besoin de licence pour le faire voler. Et celui-ci pèse 242 grammes. Est-ce que c'est bien fait, la vie? Maintenant, tant qu'à parler d'électronique. Et désolé si mon éclairage est médiocre. Je fais avec ce que je peux. Je suis pas dans mon studio. Donc, l'électronique, tu vas vouloir le recharger. Peut-être que tu as des longs cheveux et tu as besoin de te traîner un séchoir à cheveux. Tu vas te traîner peut-être un ordinateur pour travailler, des caméras, tu vas vouloir les recharger. Ton téléphone, tu vas vouloir le recharger. Tu vas sûrement vouloir recharger plusieurs choses. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à recharger avec toutes les caméras que je traîne, mon drone et tout. Et pour ça, il y a deux solutions. Une voiture électrique avec au moins une prise de courant. Et si tu ne veux pas t'acheter une voiture électrique tout de suite parce que tu n'es pas rendu là, eh bien, il y a cet appareil-là qui est absolument merveilleux. Je vais le sortir. Je vais en faire la critique complète sur ma chaîne de critique, l'atelier de Pascal, si tu veux aller jeter un œil, c'est juste ici. Et dans le fond, là, cette machine-là, tu as une prise ici que tu peux brancher dans ta prise 12 volts de ta voiture et elle se recharge quand même assez vite. Si disons, elle est totalement vide et que tu n'es rien en train de charger avec, ça va prendre à peu près 5 heures, du moins avec ma voiture. Ça rentre à 100 watts. Ça rentre à 100 watts à l'intérieur et ça se recharge assez rapidement. Tu peux charger des trucs pendant que tu la recharges. Donc moi, c'est vraiment ma station de recharge. Elle est branchée à ma voiture en tout temps. Donc à tout moment, quand le moteur tourne, elle se recharge. Et quand j'éteins le moteur, c'est la batterie qui embarque pour mes appareils. Donc mes appareils sont branchés dedans en tout temps. À l'avant, j'ai 3 prises USB-A et une prise USB-C. Dont une qui charge ultra rapidement. Tu as une lumière qui sert absolument à rien. Tu as aussi une prise DC 12 volts juste ici. Et le plus beau, tu as 3 prises de courant 120 volts sur le côté. Pour l'Europe, ils font sûrement un modèle 240. Encore une fois, je vais te laisser les liens dans la description. Mais ça fonctionne comme un charme. J'ai pas manqué de jus de tout le long de mon voyage. C'est absolument merveilleux. Il y a quelques moments où j'ai peut-être laissé tourner mon moteur, disons, 10-15 minutes supplémentaires, juste pour être certain de ne pas manquer de jus. Mais tu peux vraiment, je l'ai fait, là, brancher les 4 appareils USB en avant et les recharger, et 3 appareils sur le côté, sur les prises 120 volts, et les utiliser à fond. Je me suis même mis une rallonge pour brancher encore plus d'appareils. Donc à un moment, je devais avoir 4 ou 5 appareils de brancher sur le 120 volts et il n'y a aucun problème. Peut-être que tu ne pourras pas utiliser un séchoir à cheveux en même temps que tu utilises le reste, mais absolument tu peux utiliser un séchoir à cheveux, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un appareil merveilleux. Si tu veux aller encore plus loin, c'est EcoFlow, la compagnie qui fait ça. Ils font aussi, tu vois, je l'ai branché ici pour la prise 12 volts de ma voiture. Mais disons que tu es stationné pendant plusieurs jours, tu peux aussi t'acheter un panneau solaire et la batterie va se recharger à l'énergie solaire. Ça, par contre, je ne l'ai pas encore essayé, alors je ne peux pas vraiment t'en parler. Et ça, comme je te disais, je vais t'en parler plus en détail dans ma critique que tu vas retrouver sur l'atelier de Pascal, mais pendant que tu l'utilises, tu es capable de voir là, selon combien d'énergie est-ce que tu tires et le pourcentage de batterie qui te reste, tu es capable de voir combien de temps de batterie qui te reste. Et non pas une quantité d'énergie que tu comprendras rien, non, ça t'indique vraiment tout en temps. Pendant que je suis en train de rouler, que j'ai des appareils qui sont en train de se recharger, je vois qu'il reste, disons, 3 heures à ce que avant que la charge soit terminée. C'est vraiment bien fait. Pour éviter des gros ennuis, il y a quelques trucs que tu veux avoir avec toi. Premièrement, un pneu de rechange. Et si tu n'as jamais changé de pneu, essaie de le changer une fois avant de partir pour voir comment ça marche. Tu veux être capable de changer ton pneu si ça fonctionne. Et si possible, j'ai la chance qu'avec mon Jetta, ils fournissent un vrai pneu de rechange, mais essaie de ne pas avoir une petite cochonnerie comme ils fournissent sur certaines voitures avec un pneu qui est vraiment pas large. Essaie d'avoir un vrai pneu de rechange. Deuxième chose, ça, c'est des patchs pour réparer un pneu. Donc, si jamais tu as une crevaison, eh bien, tu es potentiellement capable de la réparer par toi-même. Donc, ça, c'est un outil qui, tu vois, il est encore emballé. J'ai eu la chance de ne jamais avoir à m'en servir, mais c'est ça. Tu peux perforer le trou qui a été fait comme il faut et ensuite, tu viens rentrer cette fameuse gomme-là dedans et ça vient boucher ton trou. J'ai acheté ce kit-là qui vient avec 5 plugs et j'en ai acheté 5 supplémentaires juste au cas où que ça l'aille vraiment mal. J'en parlerai jamais assez souvent. Un Leatherman, parce que ça sert vraiment tout le temps. Là-dedans, tu as une paire de pinces, de ciseaux, un ouvre-canne, un tournevis, un mini tournevis, tu as la paire de pinces. Tu as, deux types de couteaux, là. Un couteau à dents et un couteau ordinaire. Tu as une lime et tu as aussi une scie. Rien de moins. Ça, toujours ça avec toi et ça va toujours te servir. Tu peux aussi t'amener un grand couteau quand tu cuisines. Ça m'a servi plusieurs fois. Quand tu as un couteau avec toi, tu vas toujours trouver une manière de t'en servir. Un OCO. Qu'est-ce que c'est qu'un OCO? Si jamais tu as un problème avec ta batterie, je sais pas, tu fais une erreur, tu te couches le soir et tu as oublié d'éteindre tes lumières en avant. Tu t'en es même pas rendu compte parce que tu étais super fatigué et ta batterie s'est vidée. Et là, tu es au beau milieu de nulle part, à un endroit qui n'a pas de réseau cellulaire, et ta voiture ne part pas parce que tu as vidé ta batterie accidentellement. Et là, tu t'en veux, mais tu n'as pas de problème parce que tu as un OCO. Ça, tu viens brancher ça sur ta batterie et tu allumes l'appareil. Et une fois que ça va être branché sur la batterie, tu as une petite lumière qui va s'allumer pour te dire qu'elle est prête. Et ça devient en quelque sorte ta batterie de démarrage. C'est pas un appareil qui sert à recharger la batterie de ta voiture, c'est un appareil qui sert à remplacer la batterie de ta voiture pour démarrer. Donc tu vas pouvoir démarrer et la batterie de ta voiture va se recharger par l'alternateur de ta voiture. Si tu rééteins ta voiture tout de suite, elle ne repartira pas, tu vas encore en avoir besoin. Mais avec ça, tu peux partir ta voiture plusieurs fois. Et tu vas pouvoir le recharger, si jamais tu as oublié de fermer tes lumières plusieurs fois, mais pour vrai, minimum 10 fois, tu peux partir ta voiture. Mais probablement quelque chose comme 50 fois que tu peux partir ta voiture avec ça. C'est assez incroyable. Tu as un niveau de charge dessus. C'est vraiment un bel appareil. Et si jamais tu l'utilises assez souvent, ben, tu vas toujours pouvoir le recharger avec la station EcoFlow que je t'ai montré un peu plus tôt. Et tu as aussi une lampe de poche là-dessus qui, encore une fois, ça sert à rien. Voilà. Et là, je viens de te dire, ah oui, tu as fait une crevaison à un endroit où est-ce que tu n'avais pas de réseau cellulaire. Si jamais tu t'aventures dans ce genre de région-là, je t'encourage à te commander, encore une fois, ils sont dans la description, un appareil comme celui-ci. Ça n'a pas besoin d'être celui-là, il y en a des beaucoup moins chers. Ça, c'est un Montana 750i. Ce que ça fait, c'est que tu peux te prendre un abonnement satellitaire avec les satellites Iridium, Inreach de Garmin. Donc, c'est un abonnement que tu paies. En ce moment, ça me coûte 20$ par mois. Et j'ai le droit d'envoyer 10 messages par personne. 10 messages que j'écris par mois, incluant ce que je reçois, c'est 10 messages. Mais je peux envoyer un nombre illimité de messages à ma famille qui sont pré-réglés. Donc, j'ai des messages qui sont pré-réglés pour dire « J'ai pas de réseau cellulaire ce soir, mais ne t'inquiète pas, je vais bien, bonne nuit. » Et quand j'envoie ce message-là, ça l'envoie aussi avec un lien. La personne qui le reçoit peut cliquer dessus et voir de où le message a été envoyé. Donc, ça permet à tes proches de savoir où est-ce que tu es. Et comme ça, tu tiens tes proches au courant d'où est-ce que tu es. Et si jamais il t'arrive quelque chose et que tu perds connaissance, bon, disons que justement, là, ici, je perds pied et je me fends le crâne sur la table à côté ou une roche et je perds connaissance, je tombe dans le coma. Je suis pas mort, mais je suis dans le coma et là, éventuellement, il n'y a pas de nouvelles, alors mes proches peuvent s'inquiéter et envoyer les secours recherchés à peu près où est-ce que je suis parce que je leur envoie ma géolocalisation. Tiens ta famille au courant de où est-ce que tu t'en vas aussi, ça c'est toujours une bonne idée. Mais ça, c'est un bel appareil qui te permet de rejoindre tes proches quand tu es dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire. Et le plus beau là-dessus, c'est que si jamais tu t'aventures dans un sentier, comme ici, je suis déjà sur une route qui est isolée et là, des fois, je m'en vais sur des sentiers, je m'en vais m'éloigner dans des sentiers qui sont encore plus isolés. Il doit peut-être avoir une personne par semaine ou par mois qui va sur ces sentiers-là. Alors, il y a un outil absolument merveilleux qui est le SOS. Donc, si j'ouvre la porte sur le côté ici et que j'appuie sur le bouton qui est là, je ne le ferai pas, ça va appeler les renforts. Tu vas être en contact avec les secouristes de Garmin qui, eux, c'est pas Garmin qui vient te chercher, ils vont envoyer l'équipe de secours la plus près. Ils peuvent venir te chercher avec un hélicoptère si tu es perdu en plein milieu de nulle part. Tu appuies sur le bouton SOS et il y a un hélicoptère qui vient te chercher. Voilà, donc bel appareil à avoir si tu t'en vas dans des régions éloignées. Si tu restes toujours sur des autoroutes et tu te promènes de ville en ville, c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire, mais si tu t'en vas dans des régions éloignées, je te le recommande fortement. J'ai oublié de parler d'un élément. J'ai oublié d'en parler parce que je n'étais pas capable de le sortir parce qu'il est trop bien rangé. J'ai parlé de patch pour tes pneus, mais ça prend une pompe aussi pour les recharger. Moi, ce que j'ai amené, c'est ma pompe à vélo. Dit comme ça, ça peut sembler ridicule, mais j'ai rechargé, regonflé plusieurs fois mes pneus crevés sur ma voiture avec cette pompe à pneus-là. Écoute, si le pneu est complètement vide, ça va peut-être prendre 5 minutes. Mais personnellement, j'aime mieux avoir cette pompe-là, qui n'est pas si grosse que ça, qui ne prend pas tant de place que ça, qu'un appareil à moteur qui doit tourner sur... Ton appareil à moteur, s'il flanche, il est foutu. La pompe manuelle, ça fonctionne toujours. Toujours. Alors, s'il est vide, ça va peut-être me prendre 5 minutes à gonfler. Et en incluant une pause là-dedans. Non, ça se fait vraiment bien. Il y a beaucoup d'air dans un pneu de voiture, mais il n'y a pas autant de pression que dans un pneu de vélo. Alors, non, vraiment, ça te prend une pompe pour recharger tes vélos. Et en plus, ma pompe à vélo a un indicateur de pression. Alors, je sais exactement quand arrêter. Ensuite de ça, niveau argent, traîne-toi plus d'une carte de crédit et garde-les pas toutes à la même place. Ça veut dire, garde-toi une carte de crédit dans ton coffre à gants et garde-toi une carte de crédit dans ton portefeuille que tu traînes avec toi. Comme ça, si tu pars ton portefeuille, il te reste une carte de crédit quelque part et si tu t'en vas loin, traîne-toi de l'argent. On sait jamais. On sait jamais. J'aime pas ça, traîner de l'argent, mais là, toi, je l'ai fait et j'en ai pas eu besoin. Mais si j'avais été perdu dans le fin fond de quelque part et que, je sais pas, vraiment faim, ou j'avais vraiment besoin de quelque chose, ou je sais pas, faut que tu appelles un towing parce que t'as vraiment de la misère et je sais pas, t'es dans une région et le towing veut un paiement immédiat et t'es dans un fin fond de nulle part, ben traîne-toi de l'argent, ça peut te servir. Idéalement, j'étais capable d'avoir une carte de crédit de deux compagnies différentes, comme Visa et Mastercard. Je parle pas d'une Mastercard de Desjardins et d'une Mastercard de Tangerine. Je parle de deux cartes de crédit différentes. Ça m'est déjà arrivé que, tu vois, ma Mastercard ne fonctionnait pas parce que Mastercard était plantée. Et quand est-ce que j'en avais besoin? Le soir, quand je suis venu pour réserver ma chambre d'hôtel. Ça, c'était lors d'un voyage à vélo. Mais je sais pas, disons que tu veux faire le plein et que ta carte de crédit Mastercard ne marche pas, ben voilà, tu peux sauter à Visa ou vice-versa. Donc, c'est rare d'avoir deux cartes de crédit. J'utilise toujours ma Mastercard, mais j'ai toujours une Visa au cas où. Et ça m'est arrivé que j'en avais besoin. À peu près 3 fois. Pour ce qui est de te trouver un endroit où dormir maintenant. Ce qui est merveilleux avec une voiture, c'est que ça va partout et... En ce moment, ça a l'air d'une voiture stationnée. Tu peux t'installer dedans et une fois que tu es couché dedans, ça a l'air d'une voiture stationnée. Donc, tu peux dormir à peu près n'importe où. Moi, j'adore me trouver des endroits très tranquilles, comme ici. Tu vois, tantôt, il y a un camion poubelle qui est passé, là, mais cette nuit, personne. Beau ciel dégagé, un bruit de chute à côté. Ça, c'est vraiment mes endroits préférés. Si t'es chanceux, il va y avoir une toilette pas loin. Sinon, tu te traînes du papier de toilette. Tu te traînes toujours du papier de toilette quand tu sors. Et tu vas t'éloigner un peu dans le bois et tu fais ce que tu as à faire. Fais pas ça sur le bord, s'il vous plaît. Fais pas ça. Éloigne-toi dans le bois et fais ce que tu as à faire. Un endroit où est-ce que ça ne dérangera pas personne. Donc, il y a ces fameux endroits-là. Là, ici, je suis dans un lieu isolé, alors trouver un endroit tranquille, c'est plutôt facile. Si tu es en ville, il y a deux choses que tu peux chercher. La première, c'est un Walmart. Walmart autorise tout le monde à dormir dans leur stationnement. C'est connu. Ils aiment ça que les gens viennent dormir dans leur stationnement. Ça leur fait de la clientèle en même temps le matin. Ce qui est génial de dormir dans un Walmart, c'est que le matin, tu peux aller dans le magasin. Si tu es aux États-Unis, ils sont ouverts 24 heures. Si tu es ailleurs, c'est pas ouvert 24 heures. Mais le matin, tu peux aller chercher des fruits frais, tu peux aller chercher à manger, parce que les Walmart sont rendus des épiceries. Donc, tu sais ça, tu peux aller chercher à manger, tu peux aller chercher ce que tu as besoin. Et si tu ne veux pas aller dans le bois pour faire ce que tu as à faire, là, tu peux aller aux toilettes. L'inconvénient, par contre, d'un Walmart, c'est que c'est beaucoup plus bruyant. Tu vas avoir des camions qui vont venir faire des livraisons, tu vas avoir d'autres gens. Et c'est surtout très, très éclairé. Donc, mes vitres à l'arrière sont teintées, ce qui améliore beaucoup la chose. Mais il y a toujours une source lumineuse qui va rentrer. Moi, ce que je fais, c'est que tu vois, quand tu vas arriver au Walmart, c'est sûr que tu vas voir des campers qui sont installés là. Ils sont souvent installés dans une région qui est très éclairée. Si tu vas sur le côté du Walmart, d'habitude, il y a des régions qui sont un peu moins éclairées. Mais tu vois, je me sers de ma serviette pour boucher un peu les entrées de lumière. Ça, c'est l'inconvénient du Walmart, mais tu peux avoir des fruits frais le matin. Sinon, si tu es dans une ville qui n'a pas de Walmart, écoute, tu peux t'essayer d'aller dans n'importe quel stationnement. Comme je te dis, tu as l'air d'une auto stationnée. Au moment où tu te couches dedans, oui, ça paraît que tu vas dormir dedans, mais après ça, tu as l'air d'une auto stationnée. Tu peux aussi te trouver, regarde sur Google Maps s'il n'y a pas une rue qui, visiblement, sur la carte, pourrait sembler très tranquille. Tu peux aussi regarder avec la vision satellite. Si tu peux essayer de te trouver un endroit très tranquille et tu vas sûrement trouver. Quand tu vas sur cette aventure-là, c'était à Amos. Amos, je crois. Bref, j'étais dans une ville et je me suis stationné dans le fin fond d'un cul-de-sac. Et ben, il y a une police qui s'est adonnée à passer. Et oui, si tu es stationné à un endroit qui peut sembler louche, eh bien oui, ils vont venir voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas illégal de dormir dans sa voiture. Alors, tu vois, moi, ils sont venus, ils m'ont interrogé et ils sont partis. Ils m'ont laissé dormir là, il n'y avait aucun problème. Je faisais pas de mal à personne. J'ai déjà dormi dans des stationnements où c'était bien indiqué que tu n'avais pas le droit de dormir là. Mais comme je te dis, ça a l'air d'une voiture stationnée. Alors, t'es pas installé avec un gros camper, t'es pas en train de prendre plein de place, tu fais juste prendre une place de stationnement. Et au pire, ce qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire de t'en aller. Alors, tu vas te rhabiller, tu vas t'en aller, tu vas aller dormir ailleurs. C'est tout. C'est tout. Donc, mes endroits préférés, c'est vraiment les endroits tranquilles, mais tu as aussi les stationnements de Walmart, ou sinon, ben, trouve-toi un endroit tranquille, un petit peu à côté de la ville, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien. Enfin, télécharge-toi Google Maps, et dans Google Maps, il y a un endroit où est-ce que tu peux aller télécharger les régions où est-ce que tu vas aller. Donc, tu cliques sur ta photo, tu descends sur... en anglais, c'est offline map. En français, c'est probablement les cartes hors ligne. Ça te permet vraiment de télécharger toute cette région-là dans ton téléphone. Ça, si tu te ramasses dans des régions où est-ce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, comme ici, ben, tu es capable de voir où est-ce que tu es en toute précision, comme quand tu es sur le réseau cellulaire. Et en plus de ça, ça va te permettre de sauver des données. Si tu voyages beaucoup, je te recommande vraiment de télécharger les régions dans lesquelles tu voyages. Ça va te permettre de consommer moins de données. Et si tu prévois te connecter sur des réseaux Wi-Fi régulièrement, achète-toi un VPN. Je t'explique pourquoi. Dans cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Télécharge-toi un VPN. C'est super facile à utiliser. Vraiment, je vais t'expliquer comment... C'est génial. C'est génial. Ça te prend un VPN. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux penser. Si jamais je pense à d'autres choses d'ici le montage de cette vidéo, je vais l'ajouter à l'instant. Ben non, t'as pensé à tout. Bravo, t'as vraiment bien fait ça. J'ai rien à rajouter. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que t'as aimé la vidéo, que ça va t'aider à préparer ta prochaine aventure, ton prochain road trip dans lequel tu vas dormir dans ta voiture. J'espère que tu vas t'amuser. Et voilà. Donc, si t'as aimé la vidéo, s'il te plaît, laisse-moi un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà, pour ne pas manquer ce qui va suivre. Si tu veux me voir plus souvent, tu peux aussi venir sur le studio de Pascal. Et fais attention à toi, on se revoit bientôt. Salut!